אנחנו הגענו להרצאה הרביעית והאחרונה במושב הזה שתינתן על ידי דוקטור מרטינו אופיצי שהוא ייתן את הרצאתו גם כן בצרפתית אבל הוא פה נמצא לפנינו אני אציג אותו בצרפתית כפי שהוא מסר את הביוגרפיה הקצרה של עצמו membre de l'école française de Rome à partir de l'année 2022 jusqu'à 2023. Et Monsieur Opizzi a soutenu sa thèse « Les Juifs italiens de la Tunisie pendant le fascisme, 1921 jusqu'à 1943 » à l'Université Paris 8. Son projet de post-doctorat a été « Mafrim » Son projet de post-doctorat, c'est après la tempête, la dispersion des Juifs italiens de Tunisie après la Seconde Guerre mondiale et forme spatiale et mentale. Et ses recherches portent sur l'histoire politique et sociale de l'Italie fasciste, la communauté d'émigration en Afrique du Nord, les circuits méditerranéen des juifs et séfarades et les identités nationales et religieuses dans la Tunisie coloniale. Et le titre de sa conférence, Côtoyant l'ennemi, trajectoire d'enfant au sein de la communauté juive italienne entre occupation et libération. מסלולי החיים של ילדים בקרב הקהילה היהודית האיטלקית בין כיבוש לשחרור. פרגו. Merci, merci Haïm, merci le Centre Benzvi. Plus proche, je voulais juste remercier Haïm, le Centre Benzvi et le public. Il faut vraiment crier dans le micro. D'accord, désolé, je suis... On ne peut pas l'adapter? Voilà. Ça marche. Excellent. Donc voilà, ma communication part d'un constat, c'est que l'occupation de la Tunisie par les armées des l'Axe ne toucha pas de manière homogène les juifs du pays. Contre la communauté juive tunisienne, bien sûr, les Allemands déclenchent une persécution en plein jour qui prend la forme de la rafle du 9 décembre 1942, des rachats, du travail obligatoire, des meurtres, des arrestations et des violences de tout type. En revanche, à l'égard de la minorité juive de nationalité italienne, qui comptait à l'époque grosso modo 3200 personnes et qui composait la quasi-totalité de la communauté dite livournaise, l'action antisémite des nazis fut, disons, entravée d'une certaine manière des autorités italiennes. On trouve là une forme de protection très ambiguë, étant donné que l'Italie fasciste avait quand même promulgué de lois raciales dans la péninsule en 1938, donc qui était un pays qui était officiellement antisémite. Mais en Tunisie, la volonté de soustraire les juifs italiens de la persécution ouverte des Allemandes était motivée par des raisons purement politiques et diplomatiques, pour ainsi dire. Mussolini revendiquait la Tunisie comme une aspiration légitime de l'Italie, comme une espèce de colonie perdue qu'il fallait rattraper et rattacher à l'empire colonial italien. D'ailleurs, Emanuele De Sica a montré que l'Italie visait avec la guerre à recréer un espace vital dans la Méditerranée, et bien la Tunisie rentrait à plein droit, selon les fascistes, dans cet espace vital. Donc en Tunisie, il fallait défendre la population italienne dans le pays, défendre la population, défendre les biens, défendre les propriétés, même si c'était des propriétés, des biens ou des vies d'Italiens, des religions juives. Mais d'ailleurs, les études les plus récentes ont démontré que les mesures antisémites du régime fasciste furent appliquées de manière très pragmatique hors des frontières italiennes. D'ailleurs, je vous invite, là c'est un livre récemment publié en italien par Michele Sarfatti, sur les frontières de la persécution qui vient de sortir en 2023. Et donc, parmi les juifs italiens qui vivaient en Tunisie pendant l'occupation, cette condition particulière de persécuter et protéger
a laissé des traces profondes dans les consciences et puis dans les mémoires. Notamment dans les mémoires des enfants qui étaient nés pendant l'entre-deux-guerres, qui étaient grandis en Tunisie, qui étaient très souvent éduqués dans les écoles italiennes et donc dans les écoles fascistes, et qui étaient encore en but des patriotismes et qui comprenaient très mal les faits d'être en même temps les cibles et les protégés des Mussolini. Et l'objectif de ma contribution est donc de retracer les réactions de cette population, de ces enfants, pendant les 6 mois de l'occupation, jusqu'au mois qui suivent la libération des Tunis. C'est un point de vue qui est difficile à traduire, qui rarement laisse des traces, et qui donc pose nombreuses questions. Disons que j'ai parti de cette analyse par la découverte d'archives privées, par des témoignages et des entretiens que moi-même j'ai conduits lors de ma recherche des post-doc et des doctorats, et qui m'a porté à créer un échantillon des témoignages oraux, des mémoires, des biographies, et parfois des carnets d'enfants qui avaient écrit ces pages directement sous l'occupation. Et cela m'a permis de reconstruire en partie la trajectoire de certains témoins qui ont vécu la guerre. Il y a des corrections ? Non, thanks. So, voilà donc, ce que je me propose de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de comprendre à partir de ces témoignages d'enfants, collectés même après l'occupation bien évidemment, comment l'occupation a marqué la mémoire de cette personne, quels sont les éléments récurrents, quels sont les oublis, quelles sont les déformations, et au prisme de ce regard, qui est un regard, je le rappelle, très subjectif, très émotif, révéler, souvent de manière implicite, quelle était la condition contradictoire des Juifs italiens en Tunisie pendant l'occupation et qui étaient obligés à côtoyer l'ennemi nazi en raison de leur nationalité. Donc, je donne juste un petit exemple, quand je parle des contradictions dans ces trajectoires biographiques, de ce qui pouvait être la trajectoire d'un enfant qui s'est trouvé à vivre l'occupation à cette époque. Prenons les cas d'un enfant né en 1931. Pardon. La trajectoire d'un enfant que je vais appeler Aldo, qui donc naît en 1931, qui est donc inscrit de 35 à 38 dans les écoles primaires italiennes, qui donc est en but d'éducation patriotique, encadré aussi dans les organisations fascistes pour la jeunesse, qui jusqu'en 1938 ne faisait pas de distinction entre catholiques et juifs. Puis, en 1938, à la proclamation des lois raciales, il peut continuer à fréquenter l'école italienne du fait que la Tunisie n'est pas sujette à la législation italienne et donc qui est protégée par la loi française, mais il ne peut pas participer, Aldo, aux activités extrascolaires qui sont encadrées par le parti fasciste. Après, en 1940, il y a l'entre-en-guerre de l'Italie contre la France. En Tunisie, cela porte à l'arrestation des Italiens par les autorités françaises, qui soupçonnent les Italiens de comploter et de former une cinquième colonne dans le pays. Donc Aldo voit son père arrêté par la police française et déporté dans un camp dans le désert. Et après l'armistice, il voit son père entrer sale, dans un état épouvantable, et il est très choqué. Toujours en 1940, après la capitulation de la France, le régime de Vichy proclame le statut des Juifs, qui porte une menace directe aux Juifs italiens qui vivent en Tunisie, qui donc sont soumis à la loi française et donc ils sont frappés directement par les mesures de Vichy. Et donc, aux yeux d'un enfant comme Aldo, la France se confirme un peu la menace principale à la sécurité de sa vie et de sa famille. Et finalement, en 1942, il y a l'arrivée des soldats de l'Axe. Et il y a une certaine ambiguïté, parce que les soldats de l'Axe sont à la fois les Allemandes, les méchantes, les gens qui viennent pour persécuter les Juifs, mais sont aussi à leur côté les Italiens, donc des troupes, disons, de frères presque, de compatriotes. Et donc il y a de la confusion. On ne sait pas qui sont-ils, ces troupes de l'Axe, des ennemis ou plutôt des protecteurs. Et donc il y a une condition effectivement contradictoire dans la conscience de ses enfants. Un enfant comme Aldo se trouve au carrefour de plusieurs persécutions qui arrivent comme des vagues et qui ciblent sa famille, parfois pour la religion, parfois pour la nationalité. Et aux yeux de ces enfants-là, c'est difficile de distinguer si on est frappé en tant que juif ou en tant qu'italien.
Et on a aussi une certaine difficulté à comprendre qui sont les ennemis. Même dans la mémoire élaborée a posteriori, après 40 ans, après 50 ans, on sent qu'on a du mal à reconstruire avec une certaine linéarité la période de l'occupation. Il y a des persécutions qui se confondent, les Allemands parfois perdent leur centralité. Il y a des conditions assez bizarres. Je cite le témoignage de Bruno, que j'ai interviewé en 2015, et qui, à l'occupation, avait 10 ans, entre 10 et 11 ans. Je cite les questions que j'ai posées et les réponses que j'ai obtenues. Je pose la question. « Même si vous étiez un enfant, avez-vous des souvenirs de la guerre ?»« Eh, je me souviens de tout. »« Avez-vous envie de les raconter ?»« Mais pas en tant que juif, en tant qu'italien. » Les autorités françaises ont déporté mon père et mon frère aîné au stade français en 1940, et puis, après 2 ou 3 jours, elles les ont laissés revenir parce que la France avait perdu la guerre. À leur retour, les Français ont déporté mon père à Gafsa, dans les déserts, entre 1943 et 1944, en tant qu'Italien, en tant que bon bourgeois, donc ennemi. Donc, c'est intéressant, quand je demande de parler de la guerre, sans préciser si l'occupation, si les autres parties de la guerre, la mémoire va automatiquement aux arrestations faites par les Français. Et l'occupation est presque oubliée. C'est une parenthèse entre une persécution, entre une arrestation en 1940 et l'arrestation après la libération. Et alors, j'insiste pour porter le discours sur l'occupation. Oui, mais vous avez des souvenirs particuliers de l'occupation germano-italienne ? Et ils me répondent, oui, mon frère, effectivement, a été convoqué, comme tous les Juifs, par les Allemandes, pour aller creuser des tranchées sur la ligne Marette. Et pendant qu'ils attendaient là, mon père et les autres Juifs, le consul de l'ambassade d'Italie est arrivé pour libérer les Italiens. Ils ont désigné les Juifs italiens et les ont fait sortir. Alors je demande alors, mais au début, les Allemandes avaient donc convoqué tous les Juifs, sans distinction des nationalités ? Oui, oui, tous les Juifs. Et ce sont les fascistes italiens qui sont venus le libérer. Cela nous paraissait normal à l'époque. Même après les lois raciales ? Oui. Les consuls italiens les a fait sortir, donc ? Oui, il a évité la déportation sur les fronts. Est-ce que Guglielmo vous l'a dit ? Il venait d'une famille antifasciste. Son père était franc-maçon, tandis que mon père était un Italien simple et tranquille, un médecin. Donc, dès qu'on pose une question directe sur l'occupation, la mémoire va immédiatement, effectivement, à la rafle, mais pour parler du souvenir de la protection de la part des autorités italiennes. Les consuls, notamment, ont un rôle central. J'ai pu interviewer cette personne citée par Bruno, c'est Guglielmo, Guillaume, qui a implicitement confirmé cette vision, quelque peu déformée. C'est Guillaume était, je le souligne, le fils d'un médecin antifasciste, donc avec aucune sympathie pour le régime, et un médecin qui doit se cacher pendant l'occupation, donc une personne qui, effectivement, a vécu la persécution sur sa peau. Et son fils, Guglielmo, reconstruit l'arrestation ratée de son père avec ces mots. Les lendemains du débarquement des Alliés à Casablanca, un policier français est arrivé chez nous à 7 heures du matin et a sonné à la porte en disant « Police !» Mon père, qui était dans sa chambre, est sorti du lit et le policier lui a dit « Monsieur le docteur, veuillez me suivre au commissariat. » Mon père était en sous-vêtements et donc il lui a dit « Attendez en bas que je m'habille. » Mon père s'est habillé, moi que j'avais entendu, je me suis habillé avec lui, on est descendu, mais de l'autre côté de la rue, et on a pris la fuite. Au bout d'un demi-heure, les policiers sont partis en menaçant de tout raconter aux Allemandes, et en effet, 2 jours plus tard, à 8 heures du soir, les SS sont arrivés, sont montés chez nous, ont fait le tour de la maison pour trouver mon père, mais ils n'ont pas trouvé. Alors ils sont partis et ne sont jamais revenus. Voilà donc. Et donc il y a ces souvenirs de l'occupation qui n'arrivent pas bien à comprendre qui sont les ennemis, si les policiers français ou les Allemandes. Parfois on a presque l'impression, dans les témoignages que j'ai recollectés, que les Allemandes étaient au service des policiers français. Ce qui n'était pas du tout les cas, on est bien d'accord. Voilà donc. Et donc, voilà, la rafle trouve des reconstructions très particulières. On trouve parfois les mêmes leitmotivs dans les autobiographies qui ont été publiées par les ressortissants de la communauté juive italienne de l'époque. Par exemple, Giacomo Nunez, qui a publié une autobiographie sortie aux années 2000 et qui avait vécu l'occupation à l'âge de 15 ans,
raconte également que l'arrestation de son père après l'arrivée des nazis s'est faite à l'aide des policiers français. Donc il souligne, il tient à souligner qu'ils étaient les Français qui voulaient arrester son père. Et le fait que son père est libéré ensuite grâce à l'intervention du consul italien. Donc si la rafle et les travaux forcés trouvent un espace mineur dans la mémoire des enfants, du fait qu'effectivement il y a une protection consulaire, les effets de la guerre ont une place centrale. Toujours Emmanuel Essig a souligné l'importance des bombardements dans la vie des civils, et effectivement les bombardements laissent dans la mémoire des enfants une trace profonde. Les bombardements des Américains en particulier, parce que tous les enfants soulignent que les Anglais bombardaient la nuit et bombardaient surtout les, disons, les endroits un peu du port, les endroits industriels, tandis que les Américains bombardaient un peu où ils capitaient, souvent le jour, en faisant beaucoup plus de dégâts. Et cela a laissé un souvenir très vivant chez les enfants des Juifs italiens, et qui est, je le souligne, une population essentiellement urbaine, très concentrée à Tunis, et qui donc souffrait particulièrement des conséquences de la guerre aérienne. Cela provoque deux effets assez paradoxaux dans les mémoires. Il y a la violence des Alliés qui frappe la mémoire presque plus en profondeur que la violence des nazis. Et les aspects tragiques de ces bombardements, aux yeux des enfants, sont déformés. Ils prennent une certaine fascination. Ils sont ressentis comme un élément nouveau, presque de nouveauté, curieux. Et donc, ils sont décrits de manière presque enchantée. Je vais prendre comme exemple le témoignage d'un enfant que j'ai pu interviewer après aux années 2000, Vittorio, qui se souvient très bien de l'occupation, car il a fêté son 10e anniversaire le jour de l'arrivée des Allemands. Voici son souvenir des guerres. Je demande, que saviez-vous des Allemands lorsqu'ils sont arrivés ? Rien. Il y avait une guerre entre les Allemands, les Britanniques et les Français, et c'était tout. Notre intérêt d'enfant était purement technologique. Regardez comment sont fabriquées les grenades à main. Elles avaient un marché en bois, une espèce de marteau. Regardez comment sont fabriqués les étuis. Regardez les armes. Les motos nous intéressaient beaucoup. Elles étaient équipées des sidecars, d'un arbre à transmission, d'une chaîne. C'était tout très intéressant. Ensuite, ce sont toujours des dates, en mars 1943, il y a eu un terrible bombardement de jour. Les Américains bombardaient le jour avec des B-17, les forteresses volantes, tandis que les Britanniques bombardaient la nuit avec des Lancaster et autres avions. Un bombardement de jour, alors que nous, les enfants, étions à l'école au-dessus de la ville arabe. Bizarrement, nous, les enfants, nous n'avions pas peur. C'est une chose intéressante. Nous étions surtout intéressés par les avions. On pouvait voir ces formations d'avions, les forteresses volantes, qui arrivaient en dizaines et dizaines en formation, et la contre-artillerie qui tirait sur ces avions, et ces explosions faisaient pop, et on pouvait voir ces explosions et les bangs qui arrivaient quelques secondes plus tard. C'était des petits nuages noirs. Bref, nos mères respectives, ma tante Claire et ma mère, ont couru à l'école pour nous faire sortir. Je m'en souviens. Et à un moment où tout le groupe scolaire partait, je me souviens qu'il y a eu une bombe très proche à l'école et que l'onde de choc a été si forte que nous sommes tous tombés au sol, comme des quilles. Cela semble impossible, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Nos mères nous sont précipitées à la maison et on pouvait voir, pendant le chemin, marcher beaucoup de personnes qui couraient dans tous les sens. Des gens qui étaient complètement blancs, ce qui m'a également beaucoup impressionné. Blancs parce qu'ils étaient complètement couverts de plâtre et de poussière, parce que les explosions avaient évidemment dispersé des débris et d'autres choses. Je me souviens de ces fantômes blancs qui couraient dans tous les sens comme des fous. Cela m'a beaucoup marqué. Mais je n'avais pas peur. J'ai trouvé tout cela très intéressant. Voilà. Et la personne que j'ai déjà mentionnée, Giacomo, qui a écrit son autobiographie, a gardé un souvenir presque identique. Et les deux personnes ne se connaissaient pas directement. C'est intéressant. Et dans son autobiographie, raconte « Nous avions construit un refuge improvisé au rez-de-chaussée du palais où il y avait les bureaux de notre entreprise. » Mais moi, j'ai préféré aller sur la terrasse du palais pour assister au spectacle des bombardements.
La nuit surtout était magnifique avec les petits parachutes lancés par les Alliés qui illuminaient la ville jusqu'à l'aéroport. On pouvait voir les explosions des bombes quand elles arrivaient à terre et la piste lumineuse des balles traçantes de l'artillerie anti-aérienne des Allemandes. J'entendais les éclats près de moi, mais j'étais tranquille car je tenais une passoire sur la tête. Voilà. Donc, ces souvenirs particuliers des enfants deviennent vraiment préoccupés, disons, la préoccupation des enfants se focalise surtout sur la dernière partie de l'occupation, ce qui est également assez paradoxal. De façon surprenante, la partie de l'occupation qui laisse le plus de traces est la fin, avec la libération du joug des Allemandes, l'arrivée des Alliés à Tunis en mai 1943, la capitulation des forces des troupes italiennes et le retour des Français au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Si pour les Juifs italiens, pour les Juifs tunisiens, c'est un moment de fête, c'est la fin de la persécution des Allemandes, c'est l'abrogation des lois antisémites de Vichy, pour les Juifs italiens, c'est plus compliqué. Ils ne sont plus ciblés en tant que Juifs, mais en tant qu'Italiens, ils sont considérés par les autorités coloniales françaises comme des ennemis. Et donc, sont considérés presque comme des alliés du fasciste. Les autorités françaises, à la libération en 1943, ont beaucoup de mal à reconnaître dans les Juifs des nationalités italiennes des victimes comme les autres. Ils sont considérés d'abord comme des Italiens et donc soumis aux mêmes arrestations, aux mêmes réquisitions des biens et tout le reste. J'ai juste quelques minutes pour conclure ma communication. Alors, j'ai eu la chance d'accéder au carnet d'un enfant de 8 ans qui écrit des chroniques et des événements après la libération de Tunis. Je tenais quand même à porter un souvenir assez drôle lors de la description de son occupation, de l'occupation de sa maison par les soldats anglais, en disant « Ma grand-mère avait laissé aux Anglais, qui avaient occupé la maison des familles et avait créé une espèce de quartier général, deux tableaux, l'un représentant mon père, l'autre mon oncle, auquel elle tenait beaucoup. Lorsque les Anglais voulaient jouer au criquet, des joueurs s'y manquaient à l'appel, les officiers décrochaient les tableaux du mur et les mettaient à la place des joueurs manquants. Et s'ils gagnaient, ils collaient une belle décoration en papier dessus. Je pense que le tableau de mon père a gagné beaucoup de matchs parce qu'ils ont mis deux décorations dessous. Et si les portraits perdaient, ils y collaient une moustache, toujours les soldats anglais. L'autre soir, les soldats avaient mis une moustache brune sur les portraits de mon père et arraché une décoration. Mon oncle avait une moustache blonde et pas de décoration, signe qu'il avait perdu plusieurs matchs. Voilà donc. C'est toujours un regard un peu ironique. L'enfance porte à regarder les choses d'une perspective particulière. Mais je voulais quand même souligner certaines choses qui ressortent de ces témoignages. Déjà que le fait que les enfants sont des observateurs et spectateurs actifs des violences subies en tant que juifs, en tant qu'italiens, porte à élaborer une mémoire particulière. Il y a des thématiques singulières qui émergent. Déjà, les sentiments des Italiens comme un acteur inoffensif qui se trouve parfois comme victime des Allemands d'eux-mêmes, ce qui est paradoxal parce que dans l'occupation de la Tunisie, Allemands et Italiens étaient sans doute alliés. La difficulté à tracer une frontière nette entre les persécuteurs et les persécutions, ce qui porte à distance des 30-40 ans, quand les mémoires sont élaborées, quand les mémoires sont écrites, à donner des reconstructions des événements qui sont parfois problématiques, et la vision de l'occupation presque comme une parenthèse entre deux périodes de vexation faites par les autorités coloniales françaises. Et c'est là, j'insiste, parce que j'ai vu dans les programmes, par exemple, qu'on donnera beaucoup d'importance, ce qui est tout à fait juste, aux mémoires élaborées tout après la libération de la Tunisie en 1943. Et c'est là, c'est intéressant. Déjà en 1943, il y a des chroniques, des mémoires qui sont mises par écrit par des acteurs qui ont vécu l'occupation sur leur peau. Donc Gaston Guèze, mais je rappelle aussi Paul Guèze, et récemment même Albert Memmi avait fait publier son journal des guerres, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Tandis que parmi les Juifs italiens de Tunisie, cette réélaboration mémorielle s'est faite avec beaucoup plus de retard, avec beaucoup plus de problématiques, ce qui porte à élaborer deux mémoires qui sont presque à l'opposé.
Donc voilà, j'espère que l'étude de ces voix d'enfants puisse ouvrir des nouvelles perspectives de réflexion sur l'histoire du judaïsme tunisien et aussi sur sa pluralité, sur la construction des mémoires collectives. Je vous remercie de l'attention.